Ça va bien. Sylvie, coucou ma bichette, oui, ça va et toi? Trop plaisir. Ben, ça fait trop plaisir de se retrouver toutes les deux sur ce live. Eh ben oui, ça y est. Partager le live. Je le partage, je prends quelques minutes pour le partager sur nos différents profils. Je le partage sur le tien. Et Oui, sachez s'il que te ce plaît. live sera aussi sur YouTube dès demain. On aura sur nos deux YouTube. Je vais aller voir si ça a bien fonctionné, si je le vois bien. Parce qu'on ne sait jamais, hein. Je vais aller voir dans l'événement qu'on avait créé déjà. Bon, j'espère qu'il y aura du monde. Alors, Je l'espère aussi. est-ce qu'on va pouvoir voir quelque chose? Ça me met impossible de publier des commentaires sur des profils Facebook. J'espère qu'on va pouvoir voir quand même. Ou alors, je vais garder mon téléphone au cas où pour les commentaires. Ah si, normalement. Oh, on est bien là. On est là, regarde. Alors, attends, je vais partager déjà sur ton fil à toi. Ouais, si tu peux. Annie, Julie, hop. Ben, j'espère que ça ne va pas te demander une confirmation, une validation. Je ne pense pas. Vous avez partagé, c'est bon. Ça y est, ça y est bien. Donc, nickel, nickel, merci. Est-ce qu'il faut le faire sur une page à toi ou pas? Non. Non, moi, j'ai plus mon profil perso. Donc, Ok, bon, bah, il n'y a pas de souci pour moi. Bon, bah, super. N'hésitez pas à partager le live. Ah oui, en effet, on ne voit pas les commentaires, nous. Ça, c'est très con quand même. Afficher. Les commentaires en direct s'affichent ceci. Alors, normalement, on peut voir les commentaires quand les gens vont parler. Normalement, on doit pouvoir voir les commentaires directement en bannière. On va voir si ça marche ou pas. Écoute, coucou, moi, coucou. Je ne vois Ah, mais rien. Il y a Tintin qui est là. On va voir. Ah, ben, il y a Tintin, la moustiquette, mais moi, je vois rien. Alors, les j'essaye commentaires sur mon ordi. Sur StreamYard. Je ne vois pas les commentaires. Bah, je vois les commentaires sur Facebook. Écoute, je garde Facebook à côté de moi sur mon téléphone pour voir les commentaires parce qu'en effet, on ne les voit pas, nous, sur notre outil. Je ne sais pas. Je te laisse gérer parce que du coup, moi, je ne les ai pas et sur mon Facebook, je suis carrément en décalé, donc ça n'ira pas. Ah, c'est bizarre, ils disent qu'on ne voit pas les commentaires si c'est public. Bon, c'est pas grave. Coucou tout le monde. On a Elisa, on a Tintin, on a ma maman, on a Annabelle, on a plein de personnes de l'équipe. Je suis très, très contente parce que du coucou, coup, vous coucou. Allez pouvoir partager à votre communauté. Ah si, donc en fait, je crois que ce que j'avais fait tout à l'heure, ça doit marcher. Parce que je vois qu'il y a l'exemple qui s'est affiché. Bah, on va voir. Je vais essayer de mettre les commentaires. On va voir si ça fonctionne ou pas. Là, ça vous met un truc chelou. Les commentaires des spectateurs s'affichent. On va voir si ça s'affiche bien. Bon, écoutez, je commence par me présenter. Cindy, donc je suis leader Joli-moi depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans, hein, 3 ans et demi maintenant. Moi, c'est mon activité principale aujourd'hui. J'ai quitté mon métier que j'avais avant au mois de décembre. Donc, je suis ravie. Donc, je suis désormais à 100% chez Joli-moi. J'ai aussi une activité de conseillère en image et de maquilleuse pro à côté. Donc, ça se marie très bien. Mais c'est vraiment Joli-moi sur quoi l'activité sur laquelle j'axe. En fait, ce qui me plaît énormément chez Joli-moi et pourquoi j'ai rejoint Joli-moi, moi j'aimais beaucoup j'aime beaucoup l'aspect humain, que ce soit le côté humain vis-à-vis des clients que je conseille. J'aime ce côté bienveillant, honnête. J'ai vraiment l'impression de leur apporter quelque chose, d'être une solution pour leurs problématiques. Donc ça, je suis contente parce que les clients sont contents, sont fidèles et ça, ils reviennent. Depuis que je fais ce type d'activité, j'ai plus de 200 clients qui me suivent aujourd'hui, donc merci. Et ça montre qu'on est au bon endroit, au bon moment. Et puis l'autre côté humain, c'est la formation. C'est vraiment ce côté équipe. Donc Julie fait partie de mon équipe et vraiment c'est vraiment super important. On est des groupes d'amis même aujourd'hui. On s'entraide énormément et c'est super. Enrichissant, je cherchais le mot depuis tout à l'heure, c'est super enrichissant de se dire qu'on peut améliorer le quotidien d'autres personnes, parce que Julie, elle va nous raconter aussi son histoire, mais en fait, en faisant cette activité de coach beauté en ligne, nous sommes là pour vous parler de cette activité de coach beauté en ligne, eh bien, on améliore le quotidien d'autres personnes qui font aussi cette activité, qui ont besoin d'un complément de salaire, ou peut-être qui veulent faire une reconversion professionnelle comme moi, et ça, c'est chouette, quoi. Vraiment, l'humain prône sur le reste. Donc, c'était important pour nous de vous parler de cette activité ce soir. On va vous en parler en détail. Vous n'hésitez pas à nous poser des questions.
Donc, de temps en temps, j'ai les yeux qui partent en vrille. C'est parce que je regarde les commentaires, parce qu'on ne les voit pas. Là, c'est un peu compliqué. J'ai essayé de vous les afficher, mais ça ne marche pas. Donc, je les regarde sur mon téléphone à côté. Donc, du coup, on va vous parler de ça. Vous n'hésitez pas à commenter. Je regarde de temps en temps s'il y a des questions. Au cas où on ne répond pas aux questions ce soir, on y répondra en replay. Les filles de notre équipe, n'hésitez pas à partager un maximum. Nos clientes, n'hésitez pas à partager un maximum parce que peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui peut être intéressé par cette opportunité, qui cherche peut-être à gagner de l'argent et qui aime la beauté et qui va se dire, mais c'est trop bien ça, j'ai envie de faire ça. Et nous, on sera là pour les former. Donc, ma Julie, je te laisse te présenter. Julie est leader aussi dans l'équipe. Je te laisse te présenter, ma Juju. Oui, alors bonsoir à tous. J'allais dire bonjour, non, bonsoir, c'est mieux. Bon, Tu peux. j'espère que vous allez bien. Je suis contente parce que moi aussi, j'ai réussi à avoir les commentaires sur mon ordinateur, même si ma Wi-Fi n'est pas terrible. Donc c'est cool. Je vais pouvoir aussi suivre vos commentaires aussi de près. Donc du coup, je m'appelle Julie. Moi, j'ai 32 ans. Je suis maman de deux enfants. Donc mon fils a 6 ans et ma fille a 8 ans. Donc je suis chez Joli Moi depuis 3 ans et je suis leader aussi du coup de mon équipe. Ma marraine, je suis rentrée avec Cindy, donc voilà, je fais aussi partie de son équipe. Du coup, moi, en termes de travail, du coup, je suis en intérim actuellement. J'ai aussi un peu une double casquette, c'est-à-dire que je suis couturière à mon compte et je suis aussi rentrée chez Joli Moi. Donc, il y a maintenant 3 ans. Donc, je ne vis pas encore de l'activité Joli Moi, mais c'est dans mes objectifs futurs. J'ai envie vraiment de réussir avec cette activité, de réussir vraiment ma vie. Et j'ai envie d'en faire mon activité principale, de quitter l'intérim et de pouvoir vivre du coup de mes deux activités. Du coup, moi, pourquoi j'ai rejoint Joli Moi? Donc, déjà de base, c'était pour m'évader, parce qu'il y a 3 ans en arrière, j'étais en congé parental, je profitais de mon fils encore un petit peu, et j'avoue que ben voilà, le congé parental c'est bien, on profite de nos enfants, mais on est un petit peu aussi des fois coupé du monde, et du coup j'avais envie de m'évader. Donc Joli Moi, je me suis rendu compte que ça pouvait être sympa de pouvoir rencontrer du monde, aussi pour prendre soin de moi, pour prendre confiance en moi, pour m'accepter. Et puis, ben, comme je vous l'ai dit, je suis maman de deux enfants, donc pour aussi m'occuper de mes enfants, parce que ça me libère du temps, je peux m'occuper d'eux pendant les vacances, les mercredis, quand ils sont malades aussi, c'est pas toujours évident hein, quand on a des enfants. Donc voilà, ça me permet aussi d'avoir un peu plus de liberté. Et puis, eh bien, comme Cindy l'a dit, on a aussi, enfin moi, j'avais envie, eh bien, de pouvoir aider les personnes autour de moi à prendre soin d'elles, à s'accepter. Moi, c'est quelque chose vraiment Joli Moi m'a vraiment apporté ça, une manière de me dépasser et de m'accepter comme je suis. Donc, j'ai envie aussi, du coup, de pouvoir aider les personnes autour de moi dans ce sens-là, de prendre soin d'eux. Et du coup, quand on prend soin de nous, eh bien, on s'accepte aussi beaucoup plus. Et puis, eh bien, maintenant que je suis leader d'équipe, eh bien sûr, du coup, aider les personnes qui sont avec moi à réaliser leur objectif, à atteindre, voilà, ouais, leur objectif personnel en fonction, bah, de ce que eux ont envie de faire, de leur travail avec Joli Moi. Voilà, tout simplement. Et il faut le dire aussi, c'est que donc on est dans la même équipe avec Julie et on fait partie de l'équipe Joli Môme. Donc peut-être que vous avez, si vous vous êtes déjà renseigné sur Joli Moi, il est possible que vous ayez vu le nom de l'équipe Joli Môme et que vous ayez vu des lives qui parlent de l'équipe Joli Môme. Donc on fait aussi partie, on est des Joli Môme en fait. On fait partie de cette équipe. L'équipe Joli Môme, c'est la plus grosse équipe de Joli Moi. C'est un collectif de personnes et de profils très très différentes. Vous allez voir des profils comme nous et des profils qui n'ont vraiment rien à voir. Il y a beaucoup de leaders d'équipe. Quand on parle de leader, c'est quand on a une équipe et qu'on arrive à faire progresser l'équipe. Et il y a plein de leaders chez les Jolies Mômes et on fait partie d'un collectif. On se réunit tous les deux, quoi, tous les, c'est pas bien dit, toutes les 2 semaines. Le vendredi, voilà, je vais y arriver, je sais pas comment formuler ça. Le vendredi, toutes les 2 semaines, avec les autres leaders pour travailler sur l'évolution de la société. Donc vraiment, c'est
une société qui est très à l'écoute des équipes. Jolie Moi n'est rien sans les coachs beauté et les coachs beauté ne sont rien sans Jolie Moi. C'est vraiment donnant-donnant, on construit ensemble et ça, c'est vraiment chouette. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on aime l'humain dans cette société parce qu'on trouve ça nulle part ailleurs. Il n'y a pas de système hiérarchique comme on peut le trouver dans les sociétés habituelles et ben, on a besoin de ça parce que si vous faites ce type d'activité, c'est que peut-être que vous en avez déjà ras-le-bol d'avoir un patron à côté. Moi, c'était mon cas. Donc, à un moment donné, c'est bon, quoi. On ne veut pas d'autres patrons, c'est nous les patrons. Et puis, ben, on tout ensemble, et tous aussi, parce qu'il y a des hommes, parce que Jérémy qui était là, sinon il va m'engueuler, on fait construire cette société, on la fait avancer. Jolie Moi, il faut savoir que c'est une entreprise qui est française, qui est assez jeune, elle a été créée en 2017, donc elle est toute récente. C'est 4 nanas qui ont créé cette entreprise, elles ont toutes des profils entrepreneuriales et elles sont très complémentaires. Et Isabelle Rabier, qui est la fondatrice principale de la société, elle a vraiment, au lieu de faire comme tout le monde faisait, on voyait que la vente à domicile était quelque chose qui se développait. La vente à domicile, la vente sur les réseaux sociaux, vous en voyez beaucoup, c'est ce qu'on appelle la VDI ou le MLM. On en voit beaucoup. Moi, j'ai fait partie d'autres sociétés de VDI également avant. Vous connaissez peut-être Tupperware, qui est très connu. Et ça, c'est quelque chose qui a pris une grosse émergence avec le Covid. Et en fait, Isabelle Rabier, elle a vu venir le truc. Elle s'est dit, mais au lieu de créer ma propre marque, parce que toutes les VDI ont créé leur propre marque, et du coup, pour vendre leurs produits, ils sont obligés de les vendre cher parce qu'il faut bien rémunérer la création de la marque et puis bah, toutes les personnes qui ont travaillé sur la marque. Et ben Isabelle, elle s'est dit, au lieu d'aller créer ma propre marque qui s'appellerait Jolie Moi, je vais plutôt aller chercher des marques qui existent déjà parce que le taf est fait et ça va permettre de vendre les produits au prix des marques. Et donc, on travaille avec des marques comme MAC, comme Dermalogica, comme SVR, comme Zao, comme là, on vient de rentrer Pomelo, Origins. On travaille avec énormément de marques qui sont connues. Alors, peut-être qu'il y en a certains, vous ne les connaissez pas encore, mais elles sont connues au moins sur la toile. Et ça, c'est vraiment la force. Isabelle, elle a tout compris, en fait. Elle a tout compris. Voilà. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que Isabelle donc Rabier, la fondatrice, elle a été quand même invitée plusieurs fois chez BFM, du coup, ouais, pour parler de l'entreprise. Franchement, c'est aussi du jamais vu. Et puis, elle a déjà quand même rencontré aussi deux fois le ministère du Travail par rapport eh bien, à Jolie Moi, parce que ben ça intrigue quand même finalement tout ça, puisque c'est nouveau. Mais oui, c'est clair. En fait, Jolie Moi est en pleine effervescence. Il faut savoir que quand on s'est lancé chez Jolie Moi avec Julie il y a 3 ans, on était obligés, quoi. Quand je dis on parce qu'en fait, j'ai tellement l'impression qu'on est une famille chez Jolie Moi. C'est comme si c'est nous qui allons le faire. On était obligés d'aller frapper à la porte des marques. Donc, le staff Jolie Moi allait frapper à la porte des marques pour se faire référencer, quoi, pour qu'on ait plein de marques sur notre site internet. Et aujourd'hui, c'est les marques qui viennent frapper à la porte de Jolie Moi en disant « Ouh, on a compris que vous avez un truc de ouf, est-ce qu'on pourrait être sur votre site internet ?» Sauf que c'est pas si facile de rentrer chez Jolie Moi. Il faut savoir qu'il y a une grosse sélection qui est faite. Tous les produits sont testés par les coachs beauté avant d'être référencés sur le shop. Donc, il faut être sûr que les produits soient performants et des résultats sur les clientes avant d'être référencés. Et il faut aussi que les valeurs de l'entreprise soient dans nos cordes. Beaucoup de critères d'éco-responsabilité, de non-surconsommation. On fait, alors, les produits peuvent être beaux, mais ça ne suffit pas. Il faut que les packs ils peuvent être éco-responsables, mais il faut qu'à l'intérieur, il y ait une bonne composition et qu'il y ait vraiment des résultats qui sont probants. Donc, les produits sont longtemps testés. Donc, parfois, vous nous demandez, est-ce que on pourrait faire rentrer cette marque sur ton site internet? Nous, on remonte les infos, mais ça prend du temps. Des fois, ça met plus d'un an pour que tous les tests soient faits avant de référencer un produit. Pour bien vous expliquer comment ça marche, moi, je propose, par exemple, Julie, est-ce que tu peux me conseiller? Alors, imaginons ce week-end, je viens fêter mon anniversaire. Bon, mon anniversaire est au mois d'août, hein, mais bon. Je viens fêter mon anniversaire ce week-end vers chez toi et j'aimerais que tu me conseilles un bon restaurant. Alors moi, là, comme ça, moi, je suis une fan de sushis. J'ai découvert ça il n'y a pas forcément très longtemps, mais j'adore les sushis. Et en fait, on a un super resto près de chez moi qui fait des sushis à volonté, qui sont faits sur place directement. Petit restaurant, cosy, super sympa. Moi, franchement, j'adore. Ah, j'aime bien, j'aime l'idée du sushi. J'aime bien, je valide. Bon, et eh ben, du coup, avec les cops, je vais à ton sushi.
Mais par contre, comme c'est mon anniversaire, je veux être méga canon. Donc, est-ce que tu peux me conseiller pour être méga canon quand j'irai au resto? Alors moi je dirais, bah, par exemple, en rouge à lèvres, il faut que tu aies un truc qui tienne toute la nuit. Hein. Ouais, On t'as est raison. d'accord, on va manger, on veut que ça tienne. Donc moi je te dirais le rouge à lèvres MAC Extra Chili de chez Le rouge, là, MAC. j'aime bien. J'aime bien. Ouais, le rouge, franchement, il est divin. C'est un mat, il tient toute la soirée. Tu peux y aller tranquillement. Moi, je dirais aussi, pour changer un peu de coupe de cheveux, bah, pourquoi pas te faire des boucles avec le boucleur Revamp qu'on a en stock. Et Ah oui, c'est puis, vrai. eh bien, ouais, c'est pas mal. Mais comme ça Ça sera tiendra mieux pas très avec le longtemps. boucleur, ouais. Ouais, ce sera mieux avec le boucleur. Et puis, moi, je dirais, eh bien, tu vas quand même vouloir montrer un peu ton décolleté. Eh ben, pourquoi pas mettre l'huile satinée Glow de chez Coco Solis, histoire, bah voilà, que tu brilles toute la soirée. Oh, je vais être trop canon. Mais du T'en coup, penses quoi? bah, j'aime bien, mais par contre, je fais comment pour trouver tous ces produits de marques différentes? Eh ben, c'est pas plus compliqué. Tu vas sur ma boutique directement. Tous ces produits sont référencés sur ma boutique. Ah, ben voilà, ça c'est intéressant. Donc, en fait, ce qu'on comprend là, c'est que quand je vais aller au resto sushi, j'imagine que ma Julie, le restaurant, je lui ramène 10 personnes, le gars, il va pas te payer. Eh non. Eh Ah non. non, je pense que j'ai beau lui dire, je viens de la part de Julie Kiri, que je pense qu'elle va gagner peanuts, la Juju, malheureusement. Carrément. Par contre, quand je vais aller acheter les produits que tu m'as recommandés sur ton site internet, là, tu vas toucher entre 20% et 32% de commission. Ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de la recommandation et c'est joli moi. Voilà, tout simplement. On recommande les produits qu'on adore parmi plus de 75 marques. Je crois qu'on en a 79 aujourd'hui avec Origins qui est rentré là. On a 79 marques et on a énormément de références. Et donc, du coup, eh bien, on a le choix. Et nous, on a des produits qu'on adore. Eh ben, on va en parler aux copines et elles vont pouvoir aller acheter les produits sur notre shop et on va toucher des commissions. Et il y a même un truc de ouf. C'est que si on a une cliente qui elle-même adore le rouge à lèvres Extra Chili MAC et qu'elle a envie d'en parler à sa copine, eh ben, elle a un lien de parrainage et grâce à son lien de parrainage qu'elle va donner à sa copine, elle va gagner des points cadeaux. Elle va pouvoir avoir des produits cosmétiques de marques connues gratos. C'est trop bien quand même ça. Ah, c'est génial. Franchement, on a des cadeaux clients vraiment terribles. Je suis sûre qu'on ne les retrouve nulle part ailleurs. Et alors, on est bien d'accord que si j'étais rémunérée pour toutes les recommandations que je fais au quotidien et que l'on fait tous au quotidien, oui, c'est ce que on pourrait acheter le petit appareil là pour balancer les Jouer à billets, billets je là. serais riche. Voilà, je me ferais une montagne et je pourrais me jeter dedans. C'est pas le cas du tout, hein, on est bien d'accord. Que pourtant, je vais au restaurant, je lis des livres, je vais au cinéma, j'ai Netflix chez moi, donc je regarde des séries, je recommande à mes copines, à mon entourage, je ne touche bah, rien, hein, Que comme tout le dalle. monde. Voilà. Donc, joli moi, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un e-shop, on est OK, de plus de 3000 références beauté. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a énormément de catégories. Comme on vous disait, on a plus de 75 marques, donc on va avoir des catégories différentes de produits. Donc, on va avoir du maquillage, du soin visage, du soin corps, du soin cheveux. On va avoir de l'hygiène intime aussi, des compléments alimentaires. Voilà. Et alors, le plus du plus du plus du plus chez Joli Moi, c'est que on a notre fameuse application et notre site internet. Et c'est pas n'importe quel site internet. C'est vraiment quelque chose où l'humain et la technologie ont été mis en relation et ça nous donne, eh bien, notre application et notre site Joli Moi qui est juste terrible et que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Moi aussi, j'ai fait d'autres VDI avant et ce n'était pas ça. Voilà. Donc, je vous disais l'humain, bah, pourquoi? Parce que donc, toutes les coachs beauté, donc, les filles comme Cindy, comme moi ou les hommes aussi, eh bien, on va avoir des certifications par rapport aux marques. On va être certifié, on va être formé pour les marques. On va bien sûr tester les produits, donc tester des produits qui vont rentrer dans notre quotidien. Hein, on va tester les produits et du coup, on va pouvoir ben, forcément les tester et vous les conseiller au mieux. Et je vous parlais aussi du coup de technologie parce que eh bien, on a une technologie qui est autonome
comme les sites de rencontres. Voilà, n'est-ce pas ma petite Cindy, hein? Je Les sites connais, de rencontres. De quoi? je connais, Tu j'ai connais? rencontré mon chéri sur Tinder et Moi c'était ça. aussi, je pense que Quel mec beaucoup de c'est? gens quand même connaissent, hein, on va pas se le cacher, les sites de rencontres, c'est quand même hyper connu. Donc en fin de compte, on va avoir un quiz beauté pour les personnes qui sont clientes ou les stylistes beauté, bah, vous comprenez très bien de quoi on est en train de parler. Vous allez avoir un quiz beauté à faire en ligne et en fin de compte, à la fin de ce quiz, les produits vont vous être automatiquement sélectionnés, proposés avec un pourcentage de compatibilité par rapport à vos réponses au quiz. Donc, nous, on appelle ça des matchs. Donc, je ne sais pas, vous allez avoir bah, des crèmes de jour qui vont vous être proposées avec des matchs. Plus le match est important, plus le pourcentage est haut et plus la crème vous est du coup recommandée par rapport aux besoins et à votre type de peau. Voilà. Donc, Ah, mais on a quand c'est même pas une mal, super, comme bien résumé. En on a gros, quand même une super application. mais carrément, en gros, on peut dire, pour résumer, que tu as un problème beauté, parce qu'on a tous plein de problématiques beauté, et ben en face de ce problème très particulier, on va avoir un produit précis à proposer. Un problème, une solution, en fait. L'avantage, c'est que bah, comme disait Julie, en fait, on a quasiment 3000 références aujourd'hui, si ce n'est plus. Et du coup, on a forcément la solution pour vous. On a de tout, on a de tout. De la beauté extérieure à intérieure, on fait tout. Donc, tu as forcément la solution. Et en plus de ça, on a une large gamme de budget. Parce que du coup, comme on a beaucoup de marques, contrairement à certaines VDI où vous allez être bloqué parce que les produits sont chers, là, on a tout. On a la marque Q plus A qui a des crèmes à 8 euros et qui est super efficace. Donc, vraiment, c'est ça l'avantage, c'est que on a une large gamme. Même si on a des produits qui tombent en rupture, on a forcément un produit qui va le remplacer. Vous pouvez toujours répondre à votre cliente. Il n'y a pas de frustration. Vous êtes là pour la cliente. Et voilà, c'est le vrai plus. Elle va être accompagnée pendant tout le long de son shopping. Vous allez vous assurer que quand elle a reçu son produit et qu'elle le sait, qu'elle a des résultats. Donc, on a plein de témoignages de clientes, des produits qui sont testés. Donc, vraiment, c'est génial. C'est énormément d'avantages d'avoir autant de marques, en fait. Oui, carrément. On peut toucher énormément de gens. Comme tu dis, on a les retours clients. On va aussi avoir les retours des stylistes beauté. Entre nous, on va faire nos propres retours aussi. Donc c'est vrai que c'est hyper important et c'est aussi une force du coup par rapport à Joli Moi. Et puis bah comme nous on le dit souvent et c'est souvent toi qui emploies ce mot-là, c'est un peu comme un Sephora en ligne. Hein? Moi ça me Oui, fait toujours sourire quand on dit ça, mais c'est exactement ça. oui, ça Sauf image qu'au bien. final. Voilà, mais c'est ben ça image tout à fait la chose, sauf Ouais. qu'en fin de compte, qu'est-ce que vous allez avoir en plus? C'est que vous allez avoir notre accompagnement et nos conseils en plus. Nous, comme on vous l'a dit, on est formés pour les marques, on est formés pour vous conseiller, donc c'est le gros, gros plus. Donc toi, Cindy, tu es bien placée pour en parler. Tu as travaillé très longtemps en magasin, en grande distribution. On sait souvent qu'il y a des objectifs de vente imposer que on a tel ou tel stock, donc il faut écouler le stock, ou alors que cette marque va nous rapporter plus, donc du coup on va forcer plus ce conseil de marque-là. Ici, chez Joli Moi, on s'en fiche. On n'est pas commissionné à la marque. On conseille des produits que l'on a testés, que l'on a aimés, ou nous, ou les copines stylistes, par exemple, et où l'on a eu du résultat constaté. On est là pour faire de la recommandation de produits que l'on utilise au quotidien. Et ce qu'on disait aussi, c'est que chez Joli Moi, c'est totale transparence. On parlait des ingrédients tout à l'heure, mais aussi totale transparence sur les produits. On aime ou on n'aime pas. Et si on n'aime pas, on est transparent et on dit aussi que ce produit-là, bah, on l'a pas aimé et on a le droit. Et Joli Moi ne nous tapera pas sur les doigts parce qu'on a dit que bah, ce produit-là, finalement, il ne nous convient pas. On a tout à fait le droit. Il faut être le plus honnête possible. Ouais. Ben, c'est vrai que, comme tu le disais, moi, j'ai 15 ans d'expérience en grande distribution. J'ai été chef de rayon chez Auchan et là, j'ai quitté un poste de responsable marketing pour les hypermarchés Cora. Donc, j'étais cadre sup en grande distrib. Et en fait, moi, mon métier, dans les deux métiers que j'avais, c'était vraiment, vraiment, je vais le dire comme ça, hein, c'est les gens se reconnaîtront, ceux qui sont en grande distrib. On nous apprend, et moi j'apprenais après au magasin à le faire, de mettre des produits dans le caddie des gens alors qu'ils ne sont pas venus pour ça.
Donc, en gros, on fait tout pour que les clients rentrent dans le magasin avec une envie, mais qu'ils repartent avec complètement autre chose que ce qu'ils voulaient. Moi, ça m'a fait péter un plomb, hein. J'ai fait un burn-out l'an dernier, donc même pas il y a 1 an et demi maintenant. J'ai fait un gros burn-out. Je n'étais plus du tout en accord avec ces valeurs parce que bah voilà, ça me correspondait plus. J'ai adoré ce métier. Moi, j'adorais faire tout ce qui était merchandising et tout. J'adorais faire des mises en avant. Mais à un moment donné, c'est lourd quand tu comprends ça, en fait. Que tu comprends que tu es en train de faire un truc qui est quand même pas méga honnête, hein. Et en fait, moi, c'est ce que j'aime, ces jolis mois. Et je sais qu'il y en a qui me prennent pour une tarée d'avoir quitté mon poste, le poste que j'avais, parce que c'était un gros poste, j'avais un gros salaire, mais je m'en fous. Et puis, chez Jolis Mois, j'arrive aussi à gagner ma vie. Et au moins, je gagne ma vie avec des choses qui me correspondent, avec des valeurs qui sont honnêtes, qui sont bienveillantes, qui me sont propres. Et c'est ça, Jolis Mois, c'est vraiment quand je me suis lancée chez Jolis Mois, ça a été vraiment une vocation. Je me suis dit, mais en fait, là, tu es à ta place, en fait. C'est ça que tu veux faire quand tu as des clientes qui t'envoient des messages presque en pleurs en te disant ah, oh, mais merci, tu m'as sauvée. Ça fait des années que j'avais ce souci. Enfin, j'ai trouvé une crème, un soin. J'ai repris confiance en moi en apprenant à maquiller. Bah, ça, c'est ce qui nous fait vibrer, en fait. C'est au-delà de l'argent qu'on gagne, ce qui nous plaît, c'est ça. C'est d'avoir quelque chose qui correspond à nous, à nos tripes, à notre cœur, en fait. Et voilà, il faut, je vous invite tous à vous poser la question, dans le taf où vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes content de vous lever le matin? Et est-ce que, je vais dire un truc super vulgaire, mais j'aime dire cette expression, est-ce que vous avez le cul propre? Je dis pas que est-ce que vous êtes lavé le matin. J'imagine que oui, mais est-ce que vous avez le cul propre quand vous rentrez chez vous à vous dire, là, ce soir, est-ce que j'ai pas fait un truc malhonnête, en fait? Voilà, ça, c'est important de vous poser cette question parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a trop de personnes qui restent dans des métiers alors que ce n'est absolument pas leur valeur et qui, du coup, endorment plus la nuit, sont malades, n'osent pas changer parce que, bah oui, ils ont un salaire fixe, oui, ils ont une sécurité derrière, mais est-ce que le plus important n'est pas d'être heureux? Et quand vous trouvez un métier qui vous passionne et dans lequel vous êtes heureux, vous allez tout faire pour réussir et pour gagner votre vie. Et c'est pour ça que je n'ai plus peur aujourd'hui, parce que même si j'ai quitté un poste où j'avais un gros salaire et que je ne le fais pas encore avec Joli Moi, mais je vais bientôt le faire. Je vais bientôt le faire parce que je ne me donne pas le choix et parce que je sais que ça fonctionne avec tout déjà ce qu'on a déjà réussi à faire et le salaire que j'arrive déjà à faire avec Joli Moi. Je sais que ça fonctionne et à un moment donné, il ne faut pas se laisser le choix. J'ai envie de faire ça et donc ça marche et ça continuera de marcher. Il n'y a pas d'autre solution. Et voilà, je pourrais en parler pendant des heures, donc je ne vais pas plus vous faire un épilogue là-dessus, mais je suis tellement contente d'avoir quitté mon taf et de faire 100% de Joli Moi aujourd'hui. Et j'espère vraiment que vous trouverez tous une activité qui vous plaise autant et qui vous anime autant. Voilà, si j'ai cette énergie aujourd'hui, c'est parce que ça me plaît et que j'ai trouvé quelque chose qui me plaît. Et j'espère que ça sera le cas pour vous. Et j'ai envie de dire, si c'est pas chez Joli Moi, ben que vous le trouvez ailleurs, mais au moins posez-vous cette question. Il faut que ça vous plaise. Ma chouchou, avant que je déblatère encore pendant des heures, Arrêtons là. on va peut-être montrer les outils, hein? On montre les Si, outils? on montre ça. Je vais partager l'écran. On commence par l'application. Tu montres l'appli, toi, hein? Je fais Allez, ça. ouais. Voilà. Alors ça, c'est le menu. Attendez, je dézoome pour vous montrer. En fait, ça, c'est le Voilà. menu sur lequel je zoome pour vous montrer ce qu'il y a dans le menu. Vas-y, ma Juju. Je te laisse expliquer. Donc, on va déjà montrer peut-être le tableau de bord, il me semble, ou le fil d'actualité. Qu'est-ce qu'on s'était dit, ma petite Ouais, fil biche? d'actu. Bah, le tableau Voilà, de bord, donc. c'est les commissions et les ventes. Je ne vais Oui. pas vous les montrer, même si ça ne me dérange pas, mais Donc, c'est le pas un fil truc. d'actualité, là-dedans, vous allez trouver en fait tout ce que Joli Moi met en place tous les jours. Donc, vous allez avoir, bah, par exemple, là. Ma petite Cindy, elle a eu une commande d'une petite cliente il y a 4 heures. Voilà, on va avoir les relances de prospects. Ça, c'est pour vous accompagner avec vos nouveaux, avec vos clients. On va avoir des offres business. Donc ça, c'est en ce moment, c'est l'offre du moment pour nous rejoindre. Ah, Annick vient de rejoindre ton équipe. Bravo, ma Cindy. Voilà, on a tout ce que Joli Moi nous met en avant
tous les jours, replay de live de Kim, ça c'est pour les réseaux sociaux. Voilà, donc on va avoir tout ça mis en place. Ensuite, on vous le disait tout à l'heure, Joli-moi nous forme. Donc, on va avoir l'onglet formation où vous allez pouvoir retrouver toutes les formations mises à votre disposition. Formation maquillage, formation marque. Donc, si vous voulez vous former sur la marque Last que je viens de voir passer, vous cliquez dessus, vous avez toutes les infos et vous êtes formé. On peut aussi par thématique, donc l'aromathérapie, le brushing. On peut aussi être formé sur le quiz programme de récompense Quick Start. Alors ça, je vous avoue que je ne sais même pas ce que c'est. C'est le nouveau programme de démarrage. Voilà, eh bien, très bien, merci. Du coup, j'aurais plus qu'à aller me former là-dessus. On a aussi, voilà, toutes les formations pour atteindre vos objectifs, pour aussi réussir sur les réseaux sociaux. Et on va avoir, oui, le kit média. Alors ça, c'est génial. Souvent, on se dit, moi, je ne sais pas faire de jolies photos. Je ne sais pas comment prendre mes produits en photo. Je ne sais pas comment communiquer, par exemple, sur l'offre qu'il y a actuellement de recrutement. Donc, en fin de compte, Joli-moi, l'avantage, c'est que dans le kit média, vous allez retrouver tout ça. Vous allez retrouver des photos. Donc là, on est sur… c'était quoi ça? J'arrive pas à voir. Je t'ai mis l'offre de recrutement. T'as donc, l'offre de recrutement. Donc là, vous allez avoir voilà des choses à partager. Donc, tout des montages, des vidéos, des photos à partager sur les réseaux. Voilà, moi, je suis pas une pro du montage. L'avantage avec Joli-moi, c'est qu'ils nous mettent tout à disposition. On n'a plus qu'à prendre et à mettre, à balancer sur nos réseaux. Pareil pour les photos. Des fois, on veut parler de produits, mais on n'est pas la pro de la photo. Eh bien, on va pouvoir aller chercher par marque dans le kit média et retrouver du coup les produits. Ça, c'est la dernière marque qu'on a rentrée, Origine. Et du coup, vous allez retrouver plein de petites photos qui sont super belles. C'est les marques qui nous les proposent. Joli-moi nous les met à disposition ensuite sur l'application. J'adore. Franchement, les photos, elles sont magnifiques et vous pouvez vous en servir comme vous le souhaitez. C'est très qualitatif. C'est vrai que ça permet, quand vous n'avez pas le temps de faire du contenu, tout à l'heure, on parlait de Julie qui est maman. Il y a des fois, on ne s'amuse pas à réinventer la machine. Tout est là. Tout est sur un plateau. Donc, profitez-en. On est hyper accompagnés. Ouais. Et même dans l'équipe, on se partage plein de montages. Il y en a qui sont vraiment très, très fortes pour faire des montages. Donc, on se les partage. Il y a beaucoup d'entraide. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider quand c'est comme ça. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et on peut montrer ça, la dernière chose qu'on peut vous montrer. Donc, du coup, là, le suivi client. Donc, ici, vous allez retrouver toutes les clientes qui ont rempli le quiz beauté. D'accord? Pas forcément qui ont passé commande, mais qui ont rempli le quiz beauté. Donc là, vous allez pouvoir du coup suivre votre client. Donc là, on est sur… C'est mon chéri, je vous mets. Ça nous explique qu'on va avoir un produit qui va être bientôt terminé. Donc en fait, ça nous fait des relances. Donc pour pouvoir faire votre suivi client, c'est hyper important. Et vous allez avoir des petits mots de relance comme ça. Vous allez pouvoir suivre les commandes. Vous allez pouvoir… suivre quand on va cliquer par exemple sur le catalogue, on va trouver en fin de compte toutes les marques. Quand on va aller sur le soin visage par exemple, ou par marque ou par soin, on va trouver par exemple ce produit-ci qui est à 93% de match. Donc c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Celui-ci veut dire qu'il est totalement adapté aux besoins de votre peau. Et on va avoir tous les produits vont être référencés ici. Là, on est sur le Q plus A qu'on disait, qui est une marque qui est vraiment, en termes de prix, plutôt sympathique, vraiment vraiment facile, je pense, à vendre, à proposer. Ouais, et voilà, donc on va avoir des pourcentages à chaque fois différents. On va pouvoir suivre ici, en fin de compte. Ouais. Bon, alors du coup, je continue. On va avoir ici, en fait, les réponses du coup à notre quiz. Donc, on va avoir le type de peau, donc la peau mixte, condition de peau, peau mature. Et on va avoir toutes les réponses du coup de votre cliente au questionnaire. Et grâce à cela, vous allez pouvoir lui proposer une routine de soins adaptée aux besoins de sa peau. On va avoir aussi l'endroit Club Joli-moi où là, on suit
tout ce qui est points et cadeaux, clients, etc., les avantages de notre cliente. Et ensuite, ici, on peut suivre les commandes. Donc, ça, c'est vraiment super bien. Moi, j'adore. Je peux suivre la commande de ma cliente, savoir en temps et en heure où elle est. Parce que des fois, les clients reçoivent des mails, mais regardent pas forcément leurs mails. C'est noyé au milieu de tous les mails qu'on reçoit. Donc, moi, j'aime bien. On peut suivre, du coup, où se trouve le colis et pouvoir, du coup, faire un message à notre cliente en lui disant, bah voilà, le colis a été envoyé. Le colis est arrivé en point relais. C'est vraiment super bien fait. On peut vraiment faire un suivi client de qualité. Voilà, peut-être que c'est pas mal, hein, tout ce qu'on a montré. On vous a montré le On est bien. principal. Bon, Qu'est-ce il que y a c'était plein dit? d'autres choses, hein. On peut suivre ses objectifs et tout, mais on va pas tout vous montrer, sinon Voilà. ça va faire un live trop long. Mais sachez qu'en effet, il y a énormément de choses. Ensuite, je vais vous montrer l'application que nous avons créée pour l'équipe cette fois. C'est une plateforme, on l'a appelée la plateforme En Lumière, c'est le nom de ma société en fait. En Lumière pour le En Lumière a été trouvé, c'est un nom qui a été trouvé par mes clientes pour dire à quel point. Oh mince, comment je vais faire? Ça me le propose pas. Pour dire à quel point les personnes, ben, on les met en lumière, qu'elles reprennent confiance en elles, que ce soit les clientes ou les personnes que l'on forme. Je vais peut-être partager tout mon écran parce que sinon, je ne sais pas si. Et Julie, tu me diras si on voit ce que je partage parce que je ne sais pas si on voit la plateforme. On voit la plateforme. Ah, ok, super. Donc, ça, c'est la plateforme En Lumière. Ça, c'est uniquement pour notre équipe. Ce n'est pas pour l'équipe Jolie Môme, c'est vraiment notre équipe. Donc, c'est l'équipe, en fait, les personnes que j'ai parrainées, dont Julie fait partie, et toutes les personnes qui sont parrainées de part et d'autre. Donc, c'est vraiment notre équipe à nous. Donc, vraiment, vous avez peut-être été amené sur ce live par une autre personne de l'équipe. Contactez-la, c'est elle qui vous transmettra cette plateforme-là, par exemple. C'est uniquement les personnes de notre équipe. Donc, la plateforme En Lumière, elle sert à quoi? Alors là, elle est en mode version PC, mais sur le téléphone, c'est pas comme ça, c'est en colonne, c'est mieux organisé que ça. Donc, elle est dispo sur PC, tablette et téléphone. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous aider tout au quotidien. C'est un outil qui va vous aider à réussir dans cette activité. Si vous suivez tout ce qu'il y a indiqué dans cette plateforme, vous ne pouvez que réussir. Il faut faire confiance à l'outil. C'est un outil que j'ai développé avec 8 ans d'expérience dans cette activité. Je sais à peu près tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut pas faire. J'apprends encore des choses chaque jour et je la mets à jour. Donc, c'est vraiment super important et notamment pour les personnes qui démarrent. Voilà, là, vous avez vraiment les étapes du démarrage. Il faut vraiment tout suivre à la lettre. Vous pouvez même cocher quand vous avez réalisé les actions, vous cochez tout en temps et en heure, voilà, pour bien suivre votre avancée. Vous cliquez parfois à des endroits, ça va vous emmener sur voilà, des textes à copier-coller. Ah ben ça, c'était Julie qui nous a fait un petit challenge cette semaine. Des textes à copier-coller, des conseils, des vidéos. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je reviens en arrière. Vous avez aussi parfois, alors je sais plus où ça va être, mais à certains endroits, vous avez même, pour ceux qui ont du mal pour le moment, qui connaissent rien sur les réseaux, eh bien, on a aussi prévu, par exemple, là, c'est une story qu'on a créée, vous la récupérez, vous avez plus qu'à la dupliquer, à la poster, voilà, tout est fait en fait, tout est prêt. Donc, je sais pas si on voit tout mon écran, ouais, ça va, on voit Juju? Et on voit bien, oui. Ok, super. Donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir un outil clé en main pour notre équipe, pour vous aider, pour vous permettre d'avancer à votre rythme sans vous perdre. On a même un tracker mensuel. Alors là, le temps qui charge, ça va peut-être un peu long, mais avec qu'est-ce qu'il faut faire chaque jour. Voilà, il y a vraiment tout est indiqué. Les posts, qu'est-ce qu'on poste, tout est indiqué, tout est indiqué, tout est indiqué. Vraiment, j'ai vraiment envie de dire, c'est vous mettre tout sur un plateau, en fait. Le but, c'était vraiment que vous n'ayez pas à galérer, voilà, pas perdre de temps. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps quand j'ai fait cette activité, quand je me suis formée, et je ne voulais pas que mon équipe perde autant de temps. Donc, voilà, on vous met tout sur le plateau, vous n'avez plus qu'à vous servir, et je vous conseille, même l'équipe aujourd'hui ici présente, je vous conseille de prendre tout ce qu'il y a sur le plateau. N'en laissez pas une miette, c'est ce qui fait votre réussite. Vraiment, j'insiste.
On va passer aux objections. Je m'étais dit que ce live durera 30 minutes, mais bon, nous sommes deux bavardes. Ça va, tout le monde nous suit. Des formations vraiment au top. Moi, je ne l'étais pas, je subissais. Aujourd'hui, j'ai choisi d'arrêter et de suivre mon cœur. Bravo, Laetitia. C'est un nom et une plateforme vraiment super, bien présentée. Super. Je suis ravie que ça vous plaît. C'est génial. Meilleure décision. Ta, ta, ta. Trop bien. Je suis très contente. Alors, on va passer aux objections. Aujourd'hui, en story, j'avais notamment mis un petit une petite sticker ce question pour aborder des questions ce soir. Je lis ma feuille parce que je ne sais plus trop où j'en suis, quelles questions je dois poser. Les notes sont bien, hein, c'est important. Hein. Mais oui, alors attends, parce que je parle tellement, tac, tac, tac. Alors, voilà, une des questions que nous a posées et que je vais poser à Julie, comme ça. Ma Juju, si on débute chez Joli Moi, mais sans vraiment on débute, c'est-à-dire j'ai jamais fait de vente à domicile, j'y connais rien aux réseaux sociaux, la cosmétique et la beauté, j'aime bien, mais j'y connais que dalle, est-ce que c'est grave? Alors non, ce n'est pas grave. Avec tout ce que l'on vient de vous présenter, c'est-à-dire l'application que l'on a de Joli Moi, qui est proposée par Joli Moi, plus notre plateforme en lumière, rien n'est grave. Tout est noté. Vous allez pouvoir vous former rapidement, à votre rythme, j'ai envie de dire, parce que rapidement, ça sous-entend très très vite, mais ça va être quand même à votre rythme en fonction du temps que vous avez à accorder à Joli Moi et que vous voulez accorder à Joli Moi. Mais tout est dans l'application et la plateforme. Et puis, ce qui est aussi une grosse force de notre équipe, c'est qu'on a énormément d'entraide, énormément de bienveillance. On est une super équipe où on se partage énormément. Oui, tu peux faire le cœur, je pense vraiment. On est vraiment là, toutes et tous, pour s'aider, pour s'entraider. On a des chats équipes où on peut poser nos questions, où on partage nos retours, on va partager nos montages, tu disais tout à l'heure. Voilà, on est vraiment dans la bienveillance, dans l'entraide à fond et c'est aussi quelque chose d'hyper appréciable. On n'est pas tout seul, on n'est pas perdu. Tout est là pour nous aider pas à pas et nous amener à une réussite. Franchement, je pense que on est vraiment, non, c'est pas parce que je suis dans l'équipe, hein, mais on est une bonne équipe. Non, mais il faut être honnête. C'est ce qu'on disait, on a travaillé dans d'autres MLM ou dans d'autres VDI et franchement, c'était pas ce qu'on vit là. Ce n'était pas comme ça. On se tirait pas dans les pattes, mais il y avait pas de l'entraide pour autant. Il n'y a pas de concours voilà. Entre nous. Il n'y a pas de compétition, en fait. Donc voilà, il n'y a pas de compétition. On est toujours contents. On partage aussi, nos statuts qu'on va réussir à passer tous les mois à revalider. Et du coup, c'est hyper motivant. Quand on a un petit coup de mou aussi, c'est génial parce qu'il y a toujours quelqu'un, pour nous aider, pour nous remotiver. Non, franchement, on peut pas rêver mieux. Moi, je suis hyper contente. Et je vois les commentaires et je vois que... Voilà. Dans les commentaires, il y a une entraide de malade, une belle équipe. J'adore tellement cette magnifique équipe. Une entraide vraiment que je n'ai jamais vue nulle part ailleurs. C'est vrai que je pense que c'est assez exceptionnel pour avoir fait différentes sociétés de MLM et de VDI. Ce qui est très, très... marquant dans notre équipe, je pense, c'est vraiment la bienveillance et je pense que notre équipe, elle est connue aussi pour ça et qu'on vient nous voir pour ça. Il n'y a pas de pression et vraiment pas de compétition. On n'aime pas la compète et pourtant, il y a des profils très différents, des caractères très différents. Ouais. Mais personne ne se juge. Tout le monde est là pour s'entraider, peu importe les profils et les différences. C'est vraiment canon. J'aime bien. Et du coup, alors moi maintenant, ma petite Cindy, moi aussi, j'ai une question. Toi qui vis de l'activité, c'est super facile du coup de pouvoir travailler de Joli Moi. T'as le temps? Bah oui, moi j'ai le temps. Alors en fait, moi, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, je vous ai déjà donné un petit peu un élément de réponse. C'est que moi, avant de quitter mon travail, j'ai quitté mon travail au mois de décembre. Donc moi, aujourd'hui, je me fais un salaire à plus de 1000 euros, mais je l'ai construit sur le temps. Et je faisais un travail de responsable marketing où je faisais plus de 50 heures par semaine. Je me levais à 6 heures du mat et je rentrais à 21 heures. Donc moi, je n'ai pas d'enfant. Mais en fait, quand on est passionné, j'insiste là-dessus, je vais être lourde là-dessus. Mais encore une fois, il faut faire les choses par passion. Si l'activité, vous la faites juste comme ça pour gagner un peu d'argent,
mais que vous n'êtes pas passionné par ce que vous allez découvrir, ben, faut oublier. Vous pouvez le tester. Si vous voyez que vous n'êtes pas passionné, faut partir, en fait. Parce que c'est la passion qui fait qu'on trouve du temps. En fait, c'est vraiment, je sais, je le vois avec le nombre de personnes avec qui j'ai travaillé depuis que je fais cette activité. Très souvent, quand on n'a pas le temps, c'est des excuses qu'on se donne. Parce qu'il y a des choses, on n'a pas envie. Et en fait, on dit, oh, j'ai pas le temps. Oui, bah alors, comptez les heures que vous passez aux toilettes. Parce que moi, quand je suis aux toilettes, je suis sur mon téléphone et je peux répondre à des clientes. Les heures de pause repas où vous peut-être vous vous ennuyez. Les heures où vous allez scroller là sur votre téléphone à regarder les TikTok là. Bah là, vous avez le temps. Hein. Pendant là, vous êtes en train de regarder un live. Bah, vous avez le temps. Les heures, quoi, je sais pas, moi je me levais plus tôt, je me levais une demi-heure plus tôt pour avoir le temps de me faire un beau maquillage. Alors moi c'est parce que le maquillage est mon truc, hein, peut-être que ça sera pas le maquillage que vous choisirez de parler, mais nous on est deux nanas qui aiment le maquillage. Et donc je me levais plus tôt pour pouvoir filmer et du coup parler. Je sais qu'il y a Elisa dans l'équipe aussi, elle fait ça. Elle se filme très très souvent parce qu'elle a un boulot de DRH. Et du coup, elle se filme souvent pour avoir plein de vidéos. Et puis bah après, quand elle a le temps, elle fait les montages. Après, Julie, tu parlais de programmation. Et en fait, non, pas encore. Tu m'en as parlé tout à l'heure. J'anticipe. Et du coup. Je veux dire, là maintenant, oui, j'ai du temps, mais mes journées sont bien remplies parce que je veux gagner bien plus que 1000 euros. Et voilà, j'ai au mieux, moi, je suis en toute transparence, je gagne entre 1000 et 1600 euros. Voilà, en ayant joli moi à côté de mon taf. Et donc là, je suis à 100% depuis le 1er janvier. Donc voilà, ça y est, maintenant, on va pouvoir faire gonfler tout ça. Mais oui, si je veux gagner plus… Ben, il faut que j'y passe du temps. J'y suis au moins 35 heures. Hein. Je n'ai pas le choix. C'est un travail. C'est un métier. Mais toi, Juju, tu es maman pour le coup. Donc, toi, parce que moi, je ne peux pas parler en tant que maman parce que je ne suis pas maman. Donc, c'est encore différent. Toi qui es maman, comment tu fais pour t'organiser? Est-ce que c'est difficile? Eh ben, le grand mot, donc, c'est organisation. Je pense qu'il n'y a pas d'autre, mot. C'est l'organisation vraiment qui va primer là-dessus. Et puis, comme tu l'as dit aussi, quand on veut, on peut. Quand c'est une passion, on trouve le temps. Ouais. Voilà, on va trouver le temps pour, du coup, travailler cette passion. Donc, moi, très souvent, c'est le soir que je bosse parce que quand les enfants sont couchés, je vous avoue que du coup, c'est beaucoup plus simple. Hein, voilà, parce que 4 et 6, non, ils ont grandi. Ils ont déjà bien grandi. Ils ont grandi, ça c'était avant. 6 et 8, bah, vous savez qu'ils rentrent de l'école, ils ont les devoirs à faire, après il y a la douche, il y a le repas, enfin bon, voilà. Hein. Du coup, moi très souvent, c'est le soir quand ils sont couchés. Je me suis aussi notée entre midi et 2, parce que là actuellement, je n'ai pas de boulot en intérim. Et du coup, bah, très souvent, entre midi et 2, les enfants, moi, restent à la cantine. Et du coup, bah, je bosse à fond entre midi et 2, joli moi. Pareil quand j'étais en boulot en intérim entre midi et 2 pendant que j'étais en train de manger. C'est pas très sympathique pour mes collègues de travail avec qui j'étais en train de pause. Ils ont l'habitude. Mais j'étais quand même beaucoup sur mon téléphone. Voilà. Mais bon, je pense qu'ils m'en ont excusé. Mais voilà, on trouve en fait le temps. Voilà. Et puis, bah, comme tu m'as dit tout à l'heure aussi, un peu en avance, les programmations sur les réseaux sociaux, ça nous sauve la vie. Que vous ayez des enfants ou que vous ayez un boulot à plein temps avec des heures de folie, les programmations, c'est la vie. Il n'y a pas mieux. Pour Facebook et Instagram, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que moi, si bah là je vous dis le soir, mais bon, il y a des soirs on est fatigué hein, quand même, voilà, où les enfants sont malades, eh bien travaillez le week-end, vous décrochez, je sais pas, 2 heures pour bosser le week-end et vous allez programmer vos publications pour la semaine. On peut même programmer plus loin. Hein. Moi, je dis la semaine, mais on peut programmer sur 15 jours. On peut même se faire le mois si on veut. Mais voilà, la programmation. Je pense que c'est quelque chose qui va énormément aider et c'est une des clés aussi quand on a un travail à plein temps ou quand on a des enfants. Qu'est-ce que je me suis notée aussi? Les moments calmes, hein, parce que bon, j'ai des enfants qui sont pleins de vie, mais ça leur arrive d'avoir des moments de calme. Voilà, les moments lecture, les moments puzzle. Bon, et ben du coup, j'en profite aussi un peu à ce moment-là. La pause pipi aussi, t'as raison. Hein, qui n'est pas aux toilettes avec son téléphone? Franchement. Hein, voilà. Bon, vous répondrez, ceux qui sont là, ceux qui regarderont en replay, je regarde mon ordinateur en même temps, mais qui ne va pas aux toilettes avec son portable? Le portable, je suis partout. Et ça bosse avec le portable.
Voilà. Et comme tu disais, au lieu de scroller, eh ben, bossez joliment. Faites une Mais petite oui. publication, faites une petite story, programmez un truc. Voilà. Et puis, bah, moi, par exemple, les enfants aussi, bah, tout tourne quand même beaucoup autour de mes enfants. Ils font des sports, hein, ils ont des activités sportives le samedi ou le mardi soir pour mon fils qui joue au rugby. Eh bien, le mardi soir, c'est 1 heure et demie au bord du terrain ou dans ta voiture quand tu te cailles. Eh bien, du coup, t'es aussi sur ton téléphone, donc tu as le temps. Et ma fille fait du hand, donc quand le samedi matin, t'es au bord du terrain, pareil, pendant 1 heure et demie à attendre qu'elle fasse son entraînement, et ben j'ai le temps aussi d'être sur mon téléphone. Voilà, j'ai envie de dire, on a toujours le temps, il suffit simplement de s'organiser, on arrête de se trouver des excuses en se disant qu'on n'a jamais le temps. Ouais, c'est vrai. Et en plus, comme on disait, les programmations, ça aide énormément. On arrive forcément à se trouver un moment dans le week-end, même si on ne veut pas passer et on veut profiter de notre famille. Moi, le dimanche, c'est un jour off parce que je veux profiter de ma famille. Le mercredi, c'est un jour off parce que je veux profiter de mes enfants. Mais par contre, vous verrez que le mercredi, je publie quand même des choses parce que j'ai les programmations. Voilà, je pense que ça, c'est la programmation, c'est une des clés quand même quand on a ou des enfants ou un travail à temps plein et qu'on n'a pas forcément de temps en journée. Oui, carrément. Je pense que tu as peut-être une question pour moi, ma Ah Julie, oui, non? Je sais plus. excuse-moi. Excuse-moi. Ah, on arrive en fin de live, on fatigue un peu. Mais oui. Est-ce que tu as des objectifs imposés par Jolimois? Ça, c'est une question aussi qu'on nous pose super souvent. Ouais. Donc voilà, est-ce que tu as des choses imposées? Ouais, c'est vrai qu'on nous pose souvent cette question. Alors non, chez Jolimois, c'est un des avantages, c'est qu'il n'y a pas du tout de chiffre d'affaires d'imposé, pas de réunion d'imposé, pas de produits à vendre d'imposé. C'est vous qui vous fixez des propres objectifs. C'est-à-dire que moi, là, je vous ai dit, je veux gagner beaucoup plus que 1 000 ou 1 600 euros. Bah, c'est mon propre objectif. Personne n'a le droit de le juger. Personne ne va me dire, hey, t'es pas à ton objectif, ça ne regarde que moi. Donc ça, c'est vraiment important. Comment ça se passe en fait? En fait, quand vous êtes chez Jolimois, vous allez payer une adhésion de 49 euros ou 99 euros. Actuellement, je vais vous parler de l'offre tout de suite. Je voulais la faire en fin de live, mais je vais vous en parler tout de suite parce que ça c'est important. En fait, l'adhésion 49 ou 99, vous la payez, elle vous est tout de suite remboursée en bon d'achat qui va vous permettre de choisir des produits sur votre site internet que vous avez tout de suite. Votre site internet personnalisé, vous l'avez tout de suite. Donc, vous allez choisir des produits dessus. Il n'y a pas de kit de démarrage. On parle souvent de kit de démarrage dans les VDI. Là, il n'y en a pas, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de produit imposé. On vous donne un montant, vous en faites ce que vous voulez. Si vous dépassez le montant, bah, c'est tout bénef, vous allez gagner des coms après. Bon, bref, c'est vraiment vous qui choisissez. Et actuellement, celles qui vont choisir ou ceux qui vont choisir l'adhésion à 49 euros, actuellement, ce n'est pas 49 euros qu'on vous rembourse, mais 74. On a rajouté 25 euros. Donc, vous payez 49, on vous rembourse 74 euros de produits que vous allez choisir. Donc, ça, c'est la première chose, c'est ce qu'on appelle l'adhésion. Après, il y a ce qu'on appelle la licence. Donc, pas d'objectif imposé. Donc, on ne va pas vous dire, eh ben, tu as 180 euros de faire, 180 euros à faire tous les mois, parce que ça existe dans d'autres sociétés. Là, tu n'as pas le cas. Parce que dans d'autres sociétés, si tu fais pas le chiffre, tu peux être résilié. C'est aussi comme ça que des fois, on achète des produits. Nous, on l'a connu avec Julie. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on te demande de payer une licence mensuelle ou annuelle. Le prix, c'est 2,99 par mois ou 29,90. J'insiste parce qu'il y a beaucoup de VDI. Ben, qui essaye de contrer Jolimois en disant oui, mais chez Jolimois, il faut payer un truc à l'année, c'est super cher. Non, c'est pas super cher, c'est pas vrai. C'est 29,90 par an ou 2,99 par mois. Et nous, on paye ça et du coup, ça nous évite d'acheter plein de produits pour ne pas être résilié et valider notre objectif parce que nous, on n'a pas d'objectif. C'est vraiment l'avantage. Et pourquoi il y a une licence? C'est tout simplement pour protéger nos outils. Vous avez vu comment sont les outils et les formations. Il y a un travail de dingue derrière. Il y a des marques derrière. C'est du sérieux. Donc, pour protéger les outils et être sûr que les gens, ils sont pas là inscrits en mode, je vais juste gagner des commissions sur mes propres achats. Eh ben, non, c'est pas ça. C'est un métier. Eh ben, on le protège avec une licence et c'est rapidement remboursé. Vous imaginez bien 29,90 à l'année. Vous imaginez bien que vous allez faire beaucoup plus en commission. Donc, voilà. Ça, c'est important.
Une autre question qu'on nous pose souvent, Julie, c'est est-ce qu'on est obligé d'acheter des produits du coup? Donc, non, il n'y a pas de produit à acheter obligatoirement. Par contre, tu vas acheter sur ta boutique les produits que tu vas consommer au quotidien. Voilà, donc tu as une peau mixte, eh bien, tu vas prendre une crème de jour, tu vas prendre un sérum spécial pour ta peau. Donc, tu vas acheter des produits pour ta propre consommation. C'est ce qu'on a répété, enfin, c'est ce qu'on vous a dit au début. On est là pour faire de la recommandation de produits. Donc, vous allez recommander les produits que vous allez vous servir. Voilà, on n'est pas là pour, bah, comme tu disais, faire un chiffre de vente obligatoire et imposé, sinon on nous vire de la société. Là, non. On est là, en fin de compte, on teste nos produits, on les prend sur notre boutique et on va refaire de la recommandation, conseiller les produits. Ensuite, par la suite, on en est content, on les conseille, on n'en est pas content, on ne les conseille pas et on a le droit aussi de dire qu'on n'est pas content, qu'on n'a pas apprécié ce produit-là. Et comme on disait, au lieu de les acheter ailleurs, eh ben, tu les prends sur ta boutique. Du coup, on pourra avoir des produits gratuits en plus de nos commissions. Et ces produits, du coup, ils vont être à prendre sur la boutique cadeau. Donc ça, c'est plutôt hyper intéressant. Donc ce serait dommage d'aller acheter ces produits que vous allez vous servir tous les jours ailleurs. On les prend sur notre boutique. Et puis, bah, le but, c'est de conseiller. Hein, on n'est pas là de conseiller et de vendre, bien sûr, mais on n'est pas là pour se ruiner. Hein, on est là quand même pour gagner de l'argent, on est bien d'accord. On va pas se le cacher. Hein, on a envie de conseiller, on a envie de prendre soin de nous, mais on a aussi envie de gagner de l'argent. Bien sûr, le but, c'est un métier, c'est un job qu'on vous propose, c'est un job de coach beauté en ligne. Donc, vous allez travailler, donc bien sûr, tout travail mérite salaire. Voilà, donc vous travaillez, vous êtes rémunéré. Le but, il n'est pas que vous fassiez un gros stock et que du coup, ben, vous ayez plus dépensé que vous n'ayez vendu. Nous, avec Julie, on vient d'une société américaine qui fait du maquillage. Je ne vais pas citer son nom, mais vous connaissez. On vient de cette société-là. On a fait quasiment 4 ans chez eux, presque. Et en fait, on en avait marre de, bah, comme il y avait un objectif imposé, bah, à un moment donné, des fois, tu peux pas. La vie fait que, bah, déjà, c'était plus difficile à vendre parce que c'était des produits chers et c'est que du maquillage, donc c'est plus compliqué de fidéliser. Et encore, on faisait partie quand même des bonnes vendeuses. Mais des fois, t'arrives pas à faire ton objectif. Bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, t'achètes les produits pour pas être radié, en fait. Et du coup, on s'est retrouvé à quitter la société où on avait plus de stock qu'autre chose. On a tout revendu à moins 50 sur Vinted, donc on n'a rien gagné. On a fait une opération à zéro. Là, pour le coup, pas du tout rentable, le truc. Donc là, c'est vraiment pas ça. Là, vous achetez pour votre propre consommation. Comme tu disais tout à l'heure, bah, si vous avez besoin de produits, bah, prenez-les sur votre shop. Bah oui, en fait, vous les prenez sur votre shop, vous touchez des coms, ça augmente votre chiffre d'affaires. Donc, plus vous vendez, plus la commission augmente. Donc, chez Jolimois, c'est une commission évolutive. Il n'y a pas de palier comme dans certaines VDI. Là, c'est tu commences à 20%, tu vends un peu plus, tu as 20,2, 20,3, nanana, ça va jusqu'à 32%. Ça augmente tout le temps, en fait. Et c'est rétroactif sur les débuts du mois. Donc, si tu atteins le 32% en fin de mois, le 32% se recalcule sur toutes les ventes depuis le début du mois. Donc, c'est super avantageux. Et on est même plusieurs à avoir mis des produits de notre shop sur nos listes de Noël. Moi, à Noël, j'ai eu un illuminateur, j'ai eu le Vacupédi, le produit pour les pieds. Bah, parce que voilà, j'adore. Il y en a qui ont mis des boucleurs, des masques, bref. C'est voilà, c'est normal, c'est le quotidien, c'est des produits qu'on kiffe et on a juste envie de les acheter sur notre boutique. Alors, on va terminer avec une dernière question parce que ça fait déjà 1 heure qu'on vous parle du concept Jolimois. N'hésitez pas à nous mettre des questions, ça devait durer une demi-heure, mais vous voyez qu'on est passionnés. C'est pas grave, vous regarderez en plusieurs fois si vous êtes sur le replay. Une dernière question, ma Juju. Est-ce qu'on est obligé de se montrer sur les réseaux sociaux? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être difficile pour certaines personnes et c'est souvent une question qui revient. Alors, ça a été quelque chose aussi de difficile pour moi. Maintenant, je le vis très bien, mais ça a été très toi aussi, hein, toi aussi. Mais je pense qu'on y passe tous, en fait, à moins que vous soyez déjà influenceur. Je pense qu'on y passe tous, c'est quelque chose qui est stressant, c'est normal. On n'est pas forcément habitué à discuter comme ça devant un écran. En plus, là, on ne voit pas vos commentaires, on ne voit pas qui est là. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu stressant et de savoir que les gens vont nous regarder, des personnes qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai envie de vous dire oui et non, du coup, pour cette réponse. Donc, oui, parce que quand on est sur les réseaux,
Du coup, comme on le disait, c'est des personnes que l'on ne connaît pas, qui ne vous connaissent pas, que vous ne connaissez pas. Donc, l'important, c'est de créer un lien avec votre communauté. C'est hyper, hyper important. Il faut qu'ils vous connaissent, qu'ils aient oui, des informations sur vous, qu'ils vous connaissent, qu'il y ait un lien comme si vous connaissiez réellement physiquement. Et puis, bah, c'est ce qu'on dit, hein, on est là pour aider les problématiques. Donc, on a certaines fois des problématiques de peau qui vont être un peu plus compliquées que d'autres, un peu difficiles à venir à en parler pour vos clients. Donc, pour qu'ils viennent se confier à vous de problématiques qui sont parfois un peu difficiles, eh bien, il faut qu'ils vous connaissent un minimum. Vous n'allez pas vous-même aller vous confier à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Hein, vous n'allez pas chercher sur les réseaux sociaux, tiens, bah, celui-ci, hop, et puis je vais lui raconter ma vie. Non, on a quand même besoin d'être en confiance quand même avec la personne en face de nous pour pouvoir eh bien, échanger avec elle et parler des fois de choses qui sont un peu compliquées. Voilà, donc là, c'est pour le oui. Et puis, bah, pour le non, parce que bah, clairement, on vous demande pas, après, si vous voulez le faire, vous le faites, hein, mais on vous demande pas non plus de déballer toute votre vie sur les réseaux sociaux, on vous demande pas d'être tous les jours sur les réseaux sociaux et que l'on vous voie à chaque fois. Si vous voulez le faire, vous avez le droit. Mais c'est pas une obligation. Voilà. Vous gérez encore une fois aussi votre entreprise comme vous le souhaitez. Mais ce qu'on oublie assez souvent, je pense, parce que maintenant les réseaux sociaux sont très, tout le monde est sur Facebook, tout le monde a Instagram, un TikTok. Ben non, je fais encore partie des gens qui n'ont pas TikTok, mais ça va venir aussi. Enfin voilà, on est tous à fond sur les réseaux, sur Internet, et on oublie aussi donc tout ce qui va être les activités physique. Donc, tu peux aussi travailler ailleurs. On peut travailler aussi ailleurs que sur les réseaux. Donc, on va avoir, par exemple, des ateliers à organiser. Donc, on va avoir des ateliers à organiser à domicile. Donc, à votre domicile, vous invitez vos copines, vos amis, vos voisins, votre famille et vous faites, bon, je sais pas, un petit goûter, un petit apéro. Vous pouvez aussi aller chez vos clients. Vous pouvez vous déplacer. Moi, ça, c'est des choses que j'ai aimé faire. Parce que du coup, ça nous permet de rencontrer des personnes extérieures. Moi, je vous disais, j'avais besoin de m'évader, de rencontrer des nouvelles personnes. Ben, ça, c'est hyper intéressant parce que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, avoir de nouveaux liens et potentiellement, du coup, des clientes que vous n'auriez pas connues autrement. On va aussi pouvoir faire, du coup, des événements. Donc, moi, je me suis notée salon de Noël. Bon, ben, Noël est passé, mais Noël revient hein, en fin d'année. Donc, on a les salons de Noël. On va avoir les salons de la Saint-Valentin parce que la Saint-Valentin arrive bientôt, par exemple. Et il arrive que dans les communes, on fasse des petits salons, qu'on organise des petits événements. Eh bien, vous, vous êtes… on se déclare hein, chez Joli Moi, c'est un travail déclaré. Vous êtes votre propre entreprise. Donc, vous avez tout à fait le droit de prendre une table, de prendre une place sur un salon, sur une foire et d'exposer vos produits. Là, on est sur quelque chose de physique et ça vous permet de toucher du coup des gens que vous ne connaissez peut-être pas. On peut aussi faire des partenariats du coup avec un salon de coiffure, par exemple, je me suis notée, ou des magasins de vêtements aussi, par exemple, où vous pouvez aller proposer en fait des maquillages flash gratuits. Voilà, moi, j'ai une amie qui est coiffeuse, ça m'est arrivé d'aller dans son salon, je privatise un petit coin et moi, j'adore maquiller et j'adore me maquiller, je suis une fan de maquillage, du coup, j'allais là-bas dans son salon une après-midi et ses clientes qui étaient là pour se faire coiffer, bah, du coup, je leur maquillais, je leur faisais un petit maquillage. J'avais marqué aussi proposition de pose de vernis, si vous aimez tout ce qui est manucure, vous pouvez aussi proposer, voilà, on a des… Avec notre multimarque, on a des marques de vernis. Donc, vous pouvez aussi proposer ça, des soins de main. Voilà, on peut imaginer plein de choses. Mais c'est vrai que le physique, c'est aussi hyper important. Et puis aussi, je pense par exemple à Jérémy de l'équipe qui est coiffeur. Je pense à Céline qui est naturopathe. Si vous, vous êtes des professionnels indépendants, je me suis trompée sur le prénom. C'est Cécile. Cécile, mais tu m'as mis Céline, je crois, dans les commentaires. Bah, non, Cécile. Ah, bah, bravo. Bon, alors, c'est moi qui ai mal noté. C'est moi qui ai mal pris mes notes. Donc, excusez-moi. Hein, voilà, donc, Cécile, bien joué. Fallait bien que j'en fasse une. Hein. Je suis un peu mise gaffe, donc fallait que j'en fasse une. C'était trop beau que tout se passe bien. Donc, elle est naturopathe. Donc, si vous, vous êtes un professionnel indépendant, du coup, dans le domaine de la beauté, eh bien, Joli Moi peut être tout à fait votre fournisseur de produits. C'est bien, c'est que j'aurais au moins fait rire Cindy dans tout ça. Mais vous pouvez tout à fait prendre Joli Moi comme fournisseur de produits parce que, bah, du coup, comme on est du multimarque, on va pouvoir forcément vous fournir les produits qui seront adaptés à votre activité indépendante. Oui, c'est ça. C'est ça carrément. C'est, en fait, c'est vraiment une activité que vous adaptez. Joli Moi, c'est
C'est pas. En fait, d'ailleurs, on dit rarement je travaille pour Joli Moi. On dit je travaille avec Joli Moi ou Joli Moi est mon fournisseur de marque. En fait, c'est ça, c'est vraiment un partenaire, Joli Moi, finalement. Il nous met à disposition plein de marques. C'est lui, Joli Moi, c'est eux qui vont gérer les envois de commandes parce que les produits sont dans leur entrepôt. Ils gèrent tout l'administratif, tout ce qui est aussi URSSAF et tous ceux qui gèrent, nous, on n'a rien à faire. Donc, c'est vraiment. Ils font aussi bien notre comptabilité, vous êtes patron, mais en fait, nous, on a juste payé 49 balles. Et puis après, eux, ils nous payent, ils envoient les commandes, ils gèrent le SAV, ils gèrent la logistique s'il faut réapprovisionner. Ils font tout. Ils font notre compta, ils font tout, c'est trop bien. Donc voilà, donc c'était le joli moi qu'on voulait vous présenter ce soir. On a mis un petit peu de temps parce qu'on est deux bavardes et on est deux passionnées, mais c'est aussi pour ça qu'on voulait faire ce live toutes les deux parce que on a de l'expérience dans le domaine de la VDI et du MLM et ça nous semblait important pour nous de pouvoir vous parler de ça. Et puis Julie, elle ne vit pas encore de l'activité, mais elle va bientôt en vivre. Donc c'est bien aussi d'avoir deux profils différents, vous montrer que tout est possible. Il faut jamais rien lâcher. Quand vous avez un projet, ne lâchez rien. Une société, ça met du temps à fructifier. Alors, je crois que les statistiques disent que quand tu montes une société, quand tu as un loyer à payer et tout, je crois que c'est entre 3 et 4 ans pour être rentable. Nous, on peut être rentable en une ou deux semaines. Donc, j'ai envie de dire, parce qu'on dépense que 49 euros quand même. Après, oui, vous allez acheter vos propres soins, mais finalement, c'est juste les soins que vous achetez habituellement, peut-être ailleurs, et que vous étiez peut-être mal renseigné. Et là, vous allez mieux acheter. Donc, c'est la même chose. Donc, vraiment, votre investissement, il est de 49 euros et la licence que vous allez payer mensuellement ou annuellement. Donc, c'est très rapidement rentable quand même. Vous n'avez rien à payer, c'est trop bien. Donc, voilà. Donc, j'espère que Joli Moi, vous aurez compris, que ça vous aura donné envie. Maintenant, comment on fait concrètement pour nous rejoindre? Si vous avez été invité par Julie, eh ben, contactez Julie. Si vous avez été invité par Laetitia, ici présente dans les commentaires, eh ben, vous contactez Laetitia, vous avez été contactée par Elisa, contactez Elisa. Annick qui était là, qui m'a rejoint hier. Si c'est Annick qui vous emmène sur ce live, contactez Annick, etc., etc. Je ne vais pas citer toute l'équipe qui est ici présente. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'aller vers les personnes qui vous ont invité. Nous, on est là pour présenter. Si vous êtes nos contacts, venez avec nous. Mais sinon, allez voir vos contacts. Ils vont vous donner un lien. C'est très, très important de les contacter, hein. Parce que pour être dans notre équipe et pour profiter de la plateforme qu'on vous a montrée tout à l'heure, il faut être dans l'équipe. Donc, il faut que vous vous inscriviez sur un lien qui est personnalisé pour notre équipe. Et du coup, grâce à ce lien, vous allez payer votre adhésion de 49 ou 99, celle que vous voulez choisir. Je vous rappelle qu'il y a l'offre jusqu'au 22 janvier pour l'adhésion à 49 où on offre 74 euros de produit. Profitez-en. J'ai envie de dire, c'est maintenant. On est en début d'année. S'il y a bien des bonnes résolutions à prendre, bah, allez-y, osez. Changez de vie si vous avez envie de changer de vie. Et posez-nous plein de questions. Et puis voilà. Et qu'est-ce que tu veux rajouter, ma Juju? Bah écoute, pas grand-chose, hein. Je pense qu'on a bien tout abordé. Voilà, je pense que. Puis bon, ça fait un peu plus d'une heure maintenant, hein, qu'on est là. Bien On a d'accord, parlé des sujets. Moi, j'aime bien. Autant avant, ça me stressait, c'était horrible que maintenant, les lives me manquent quand je n'en fais pas. c'est vrai, hein, c'est une addiction. C'est une Ouais, addiction. On a ça fait toujours du mal à se énormément de lancer bien. en live. Et maintenant, c'est une Bon. addiction. Quand on n'en fait pas, je suis d'accord, ça nous manque. Ça Bon, fait énormément de écoutez, bien. on vous fait à tous d'énormes bisous. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout à Hein? nous écouter, à manger notre passion, là. Voilà, on espère que ça vous a plu en tout cas, que ça vous aura intéressé. Et encore une fois, n'hésitez pas à partager ça sur votre mur Facebook. Là, on est sur Facebook. N'hésitez pas à le partager parce que si vous, ça ne vous intéresse pas, peut-être que dans votre entourage, quelqu'un sera super intéressé pour améliorer son quotidien, à gagner un peu plus, à pimenter son portefeuille et puis aussi à trouver une passion parce que du coup, ça nous occupe quand il y a peut-être des gens qui s'ennuient dans votre entourage et qui kifferaient faire cette activité. Voilà. Eh ben merci à tous, il y a plein de commentaires. On Ouais, vous merci beaucoup. lira aussi en replay. Le replay sera demain sur YouTube. On vous embrasse. Ma Juju, je t'embrasse. Merci beaucoup pour ce Gros live. bisous. Et on vous dit à bientôt. Ciao, À ciao! bientôt. Bonne soirée.